bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine sur Far Cry 5 et nous en sommes à l'épisode 12. Non, j'ai totalement menti, ça c'était God of War. Nous en sommes à l'épisode 20. Veuillez m'excuser et on devait continuer quelques missions pour pouvoir rencontrer Faith et lui mettre clairement ce qu'elle mérite. Pour ne pas mâcher nos mots, lui il a vécu, hein, on va pas se mentir. Donc c'est parti, j'ai pris l'hélico, pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire les quelques avant-postes qui traînent encore dans le ghetto. Alors les avant-postes, comment les reconnaître? C'est tout simplement ceux qui ont de la fumée qui s'échappe. Et pour le moment, je vous avoue que je n'en vois pas. Ça serait bien qu'on trouve ça très vite. Je pense même que c'est plutôt par là-haut, à mon avis, les nouveaux avant-postes. Donc, avant cela, on va s'offrir une petite quête, évidemment. Allez, nous y sommes bientôt au sommet de cette plus haute montagne. J'ai pas croisé d'avant-poste, c'est qu'on a bien fait le boulot jusqu'ici, c'est plutôt cool. On y est bientôt, il y a des membres de la résistance qui ont réussi à gravir apparemment cette montagne. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Et je vous avoue que j'ai pas envie de me faire friter gratuitement. Donc on va essayer de se poser à un endroit un peu plus serein. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend là-haut. Et à mon avis, cette mission, elle doit pas donner beaucoup d'XP. On va se poser où on peut se poser là, les gars? Attendez, il me faut une petite piste. Oh, stop, 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 je vais me faire arracher. On peut se poser ici, c'est pas mal, hein. Ici, les gars. Ici, c'est pas mal, regardez comme c'est propre. Allez, hein, faut remonter parce que c'est à 129 mètres. Je sais pas si en hélico on peut le faire. Escalader Raptor Peak, c'est juste ça? Il plantait le drapeau aussi, peut-être, non? Attendez, c'est juste, on peut le faire entièrement en hélico? Trouver la cache. Bah les gars, bougez pas, regardez, on va se poser ici. D'accord, eh, franchement, eh, plutôt cool à gravir, hein, tout ça, hein. Ça c'est fait, oh c'est magnifique par contre en vrai, hein. C'est magnifique de... Quoi? Ok, il y a, les gars, me posez pas de questions, je ne sais pas plus que vous. Ok, j'ai le drapeau. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Là, qu'est-ce que tu veux, frérot? C'est peut-être des bombardements, hein. C'est peut-être des bombardements. Il faut que je trouve la cache. Je crois l'avoir trouvée. Elle était pas loin. Elle était pas loin du tout. D'accord, c'est juste ça. D'accord, ok. Non seulement c'est une. Ok, c'était juste une cache en fait. C'était vraiment une cache. Très bien. Écoutez, je prends volontiers. Je prends feu d'ailleurs. On va reprendre l'hélico. On va reprendre l'hélico, très très bien. Alors vous êtes nombreux à dire B-Boy tes points de talent, je sais. J'attends d'en avoir un petit peu plus parce que là ça sert à rien. Soutien aérien. Allez, hein, lui il prend ce qu'il mérite, ça dégage, hein. Ça dégage totalement. Il est temps d'ouvrir la map. Donc Raptor c'est fait. Allez, on est parti les amis, on a un avant-poste juste ici. On va essayer de tout localiser. Hop. Ah, on a un signal d'alarme ici, très bien. Il y en a un autre ou pas? On a un gars ici. Ah, je me disais bien avoir vu un petit truc. Ok, on a un sniper, on va essayer de se débarrasser de lui. Allez, hop, ça c'est foiré, hein. Très rapidement. Ça commence à me gonfler, hein. Ça commence à me gonfler, donc c'est pas grave. C'est pas grave, ils ont activé l'alarme. On y va, les gars. On y va à la calache. Croyez-moi que la calache est chargée. Donc regardez bien ce qu'on va faire. Regardez bien. Bah là, ils ont été beaucoup trop loin. Ils ont voulu me faire du mal. Hop, on est bien et on va prendre ça. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. On va aller... Oh, il y a un coffre. C'est pas mal ça. Attends. Voilà. Ok, c'est pas mal, ils savent toujours pas où je suis. Ok. Ça, c'est pour le spectacle. Lui, il est mort. Je disais, lui, il est mort. On en a un haut. Waouh! Oh, quoi? C'est quoi ce délire? Ok, d'accord, il y avait un VIP de la secte, c'est pour ça qu'il était assez chaud celui-ci. C'est pas mal. Ça, ça dégage.
Ça, ça va brûler très rapidement. Ok, ça, ça dégage. Voilà. On va y arriver, les gars, hein. C'est pas grave, hein. Quitte à être fou pour un. Ah, bah, ma balle est passée juste au-dessus, malheureusement. Ça me plaît pas non plus, mais bon. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. On va devoir la faire uniquement à l'aim. On vise, on tire, on tue. Allez, ça dégage. Qui d'autre? Allez, hop. Qui d'autre? C'est terminé, là, les gars, non? Mais ils vont se relever combien de fois, les mecs? Mais c'est pas vrai. Oh non, d'accord. Ah, tu es mort comme ça. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les gars? Allez, ça dégage, hein. Là, ils abusent un petit peu, hein. Faut mourir, messieurs, s'il vous plaît. J'ai 2 HP. Ok. Ça, c'est bien joué de sa part. Ok, il est toujours pas mort. Ah, vous êtes combien, les gars, là, s'il vous plaît? Tu vas pas me tuer, quand même. Je vais pas me faire trahir par un ami. Quoi, ce délire? Ok, on va les faire à l'autre bout maintenant. Mais vous êtes où là? Ah bah voilà, 15 heures que je vous cherche. Allez, ça dégage. Et qui d'autre? Eh bah on a le frérot là-haut. On va s'en occuper. Ah mais il est au bon. Oh là là, il est au mortier. Allez, j'arrive. Allez, la brasserie, c'est fait. C'était un enfer, hein. C'était un enfer se faire cramer dès le premier tir. C'est terrible dans ce jeu. Mais c'est comme ça, là, on faut qu'on fasse vite. Faut qu'on fasse vite, on n'a pas le temps de faire full infiltre. Il faut qu'on aille voir Face et lui mettre ce qu'elle mérite. C'est quoi ce bug? Je suis en train de mourir, là, les gars. On fait des syncopes. J'ai passé, hein. Je suis désolé, les gars, j'étais au bord de la syncope, c'était terrible. Allez, plus 400, on est très très bien. Allez, on est parti. Non, mais tu vas me lâcher. Commettons tous des erreurs. Mais ferme-la! Moi y compris. Ok, je sais pas comment Face, on va devoir la retrouver. Je pense que je vais être pris dans une dernière illusion, à mon avis. Je pensais que nous commencions à nous comprendre. Il y a un avant-poste à gauche, on va le faire. Hein. Je pensais pouvoir te faire confiance. D'accord. T'as autre chose à me dire là ou pas? Parce que je suis en train d'arracher tout le monde. Hein. Et je vais pas m'arrêter, ma grande. Hein. On est parti, on va faire cet avant-poste. Plusieurs reprises. Ouais, vas-y, parle-moi dans la tête comme ça. Alors, il n'y aura plus d'interférence. Plus de diversion. Plus de pitié. Ok, c'est tout ce que t'as à me dire? Allez, on est parti, on va se débarrasser du compagnon. Hop, ça, ça dégage. Et on est bon? On a... Allez, on peut atterrir calmement. On va atterrir ici, comme ça je sais où est mon hélico. On va faire fly shop. Mais qu'est-ce que t'as à me dire là? Qu'est-ce que tu me dis là? Attends, attends, je vais pas me faire repérer encore. Ok, il y a des avions qui traînent juste au-dessus. Ils vont venir me chercher au bout d'un moment. Hein. Ils me détestent déjà. Hein. Ah non, j'ai cru que j'étais déjà repéré. Ok. Ok. Il y a du monde, hein. Comme on dit, il y a du monde au portillon. Allez, ça c'est fait. Maintenant, on arrache. Hein.
Allez, ça dégage. Ok. Ça dégage. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Oh, le feu. Non, 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 le feu qui va me mettre très mal. J'ai pas trop de choix pour l'instant. Ok, j'ai très peu de balles. Ok. On va devoir faire avec ça, les gars. Ça, on va le libérer. Lui, il est mort. Mais c'est pas vrai! Je t'ai libéré, connard! Viens pas m'arracher, mais lui aussi! Ils s'y mettent tous! Pas vrai, hein? Ok, ça c'est fait. Allez, faut que je tue le dernier. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Désolé si vous avez des sortes de petits rollback. Allez, ça dégage. Fly shot de Nolan! Ça, c'est fait! Désolé si vous avez des petits rollback, les gars. Bien évidemment, je ne sais pas ce qui se passe. Sûrement le PC qui a très très chaud. Et bien voilà. Et bien voilà, regardez. La barre monte. La barre monte très très vite. Ça va le faire et ça c'est cool. Oh. Cette boutique d'appât, c'est presque un monument historique pour nous. C'est bien qu'on l'ait reprise. On aurait perdu cet endroit. Oh là 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 là. On s'est amusé, hein. On s'est amusé, c'est moi qui vous le dis, hein. Bon, on a une quête annexe ici. On va la prendre, on évidemment. On dirait que les illuminés gardaient des anges dans le sous-sol. Je sais pas combien ils en ont là-dedans. Mais pas question de m'en approcher. J'ai croisé trop d'anges qui étaient mes amis avant. Écoute, il faut sécuriser toute cette zone. Et ça inclut le sous-sol. Tu me donnerais un sacré coup de main si tu descendais là-dedans pour les éliminer. D'accord. Ok. Ah, ça veut dire qu'on a quelque chose en plus juste dedans. Ça, c'est très intéressant, ça. Je vais le faire volontiers. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Incroyable. Il y a sans arrêt du nouveau contenu. Mais... Quoi ? Mais ça fait peur ! Mais ça fait peur de ouf ! Ok. Mais ils sont malades ! Mais ça fait peur de ouf ce délire ! Ok. Allez, mission complete, on joue des monstres, très bien. Non, quand même, ça fait flipper en vrai, hein. Ok, j'ai pas vu si on avait gagné quelque chose. Yo, t'es déjà là, frérot. Bah toi, par contre, tu tardes pas, hein. Pour aider, y'a personne, mais alors pour le reste, c'est assez terrible, hein. Ok, ça, c'est fait. Il est temps de trouver encore un avant-poste. Ok, faut trouver où atterrir. Va falloir trouver où atterrir. Donc, deux signaux d'alarme. Camp de vacances, on le prend. On va se poser là-haut. On va se poser là-haut calmement. Ça me paraît le plus optimisé. Et on verra un petit peu comment ça va se passer. Allez. Là, on est pas mal. On y va, les gars. C'est par ici que ça se passe. Direction le troisième avant-poste pour toujours essayer de gratter des petits points. Ah ouais, lui, il bouge beaucoup. Alors, attendez. Voilà, un petit tour d'horizon. Et puis s'en vont, comme on dit dans le milieu. Allez, hein, la sonnette d'alarme est activée très rapidement. Faut vraiment pas qu'ils activent. C'est bon, c'est bon. On va passer par ici calmement. Mon but, c'est les alarmes. Oh, attends, c'est quoi ça? Non, mais des avions, les gars. Allez, casse-toi! J'ai
Ok. Pas facile, les choses. Hop, ça dégage. Hein. Il n'y aura plus d'alarme, c'est moi qui peux le dire. Allez, ça dégage. Ça dégage. Allez, donnez-moi un max de mun, les potes. Ça dégage. Allez, là, je suis vendeur de rêves, distributeur de plaisir. Ah putain, j'étais sûr de le toucher d'ici. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ça, je prends. Hein. Carte de la région. Regardez-lui. Voilà, lui, il est mort. Lui, il dégage aussi. On va faire un petit tour. Il n'y aura plus d'alarme. C'est bien. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Lui, c'est fait. Et lui, c'est fait. Camp de vacances, c'est terminé. Sans alarme. On se débrouille plutôt bien. Déjà 3 avant-postes dans cette vidéo. Face, je t'attends. Je t'attends là, ma grande. Maintenant, il faut venir. C'est maintenant, c'est ton moment. Hein. Allez, Face, s'il te plaît. Regardez, on est tellement proche de la fin. Si tu veux mon avis, on aurait... Il y a pas mal de parents qui ont envoyé leur gamin à Sacred Sky voilà. Dans le coin. C'était un camp de vacances un peu ringard. Et puis Eden's Gate en a fait un musée des horreurs. Maintenant qu'on l'a repris, ils pourront plus y fabriquer leur grâce. Merci beaucoup, officier. Mais pas de soucis. Non, mais les gars, en plein conflit, on peut rien faire, c'est un hélico. Oh, je veux juste te parler, ma sœur. Arrête de crier. Eh, hey, stop, on arrête, hein. C'est bon? Ça va, tu veux bien discuter avec moi? Je s'appelle Groot. Et toi? J'aurais vraiment besoin d'aide. Merci d'avoir nettoyé le camp. Évidemment, on a un autre problème. On a croisé une saloperie de cougar de l'autre côté de la rivière. C'est pas une bête comme les autres. Ce serait une des expériences ratées de la secte. Elle tue tout ce qui s'approche. Ils l'ont gavée avec leur drogue. Et du coup, t'hallucines rien qu'en passant à côté d'elle. J'ai envoyé des gens pour l'abattre, mais ils sont pas revenus. Ils sont sûrement morts. J'aimerais que tu finisses le boulot. Mais je te préviens. C'est une bête super dangereuse et très imprévisible. Ouais, c'est ça. Allez hop. 1300 mètres, j'y vais en hélico. Hein. Ta bête, je vais te la déchirer, mon pote. Hein. Crois-moi que j'ai un lance-roquette, je suis zéro là pour rigoler. Bon, là, je vous vois arriver. On a un petit peu de temps avant d'arriver devant notre objectif. Et je vous entends déjà au loin dire « Mais Bibol, je comprends pas, depuis 2 épisodes, tu sautes tous les trajets, t'en fais quasi aucun. Qu'est-ce qui se passe? T'en as marre ou autre ?» Alors non. C'est juste qu'on est arrivé à la fin de la région, on a fait quasi toutes les missions. Et que pour que Face, je puisse la tuer, il faut que j'ai assez de points de résistance de la région. Et là, il m'en manque un tout petit peu, donc je suis obligé de me taper les quêtes annexes. Et je vous avoue que c'est pas fou, je vais pas vous montrer tous les trajets de quêtes annexes. Sinon, franchement, là je suis déjà à 1 heure de record, vous avez vu 3 avant-postes, une quête annexe. Bah normalement ça ferait déjà 2 épisodes. Je veux tout vous cadencer dans un seul épisode de manière à être tranquille. Et forcément c'est pour ça que je n'ai pas trop le choix et qu'on est obligé d'un peu sauter tous les trajets inutiles, hein, toutes les choses inintéressantes, parce que sinon on n'avance pas. Non pas que j'ai pas envie de vous proposer 150 épisodes, mais est-ce vraiment utile? Je ne pense pas. Ok, on est parti, mon hélico a du mal à descendre. Il y a apparemment... Rejoignez l'emplacement. Tuez le cougar, juge. Il y a apparemment donc un cougar ici qui traîne dans le ghetto. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas du tout où il est. Ah. Ok. Ok, ça vous rappelle rien ça? Moi ça me rappelle quelque chose. Il est là. J'ai cru le voir. Ok, il est là. Ok. Il a disparu. Il est magique, hein. Il est incroyablement rapide, ce cougar. Vous avez vu la vitesse à laquelle il se déplace? Je sais pas du tout où il peut être, hein. Tuer le cougar. Oh, toute la vie qu'il a encore. Ok. Ok, bougez pas.
Ça, c'est cadeau. Il a à peine été touché. Hein. Il a à peine été touché, ce salopard. Ça, c'est un cougar salopard. Ok, il est pas loin. Ah ouais, effectivement, il y a juste à être à côté. Pour être touché par cette drogue. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Ok. Il a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Des dindons? Des dindons, non, Jésus? Ok. Je prends, hein. Ok, je l'ai revu. Waouh! Oh, il fait des allus de ouf! Dégage! C'est bon, mon pote! Ça, c'est fait! Oh, il était monstrueux, celui-là, hein! Ah ouais, non, mais là, c'est plus de la drogue, hein. Il était sous une substance. 100 RP, on y est presque, les gars! Je ne quitte pas la vidéo tant qu'on n'a pas atteint l'intégralité de cette putain de barre. On est parti. Direction une autre quête annexe, qui est celle-ci. Allez, on y va. A tout de suite, on se retrouve devant l'objectif comme d'habitude. Allez, nous y sommes. Ça, je vais pas vous mentir que clairement, c'est mon hélico sûr. J'espère qu'il n'y a pas de méchant par ici. On dirait pas. Ça a l'air pas mal. Lieu découvert, très bien. On découvre des petits lieux familiaux. Attends, qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Ok, vous voyez cet avion? Il va y avoir un truc à faire. Ah. Ok, comment ça apparaît? Allez, on lit! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? 1 mars 1961. Confronté à l'idée que Dieu était sûrement mort et que la civilisation moderne n'était rien d'autre qu'une terrible farce, Clutch Nixon, le plus grand cascadeur de Hope County. Ok, on dirait une sorte de course en quad. Très bien, on va essayer, les gars. Ça s'annonce pas bon pour moi. Plongeons dans la folie. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je sais même pas où aller. Ah! Ah oui, d'accord! Très bien! America! Fuck yeah! Oh là 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 là, d'accord, voilà, oui, là ça s'y prête même plutôt bien! Avec cette musique! Tout en douceur! Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? C'est sympa cette quête en vrai! Ah! C'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est résistant, hein. C'est un produit américain. Je me suis fait arnaquer! Oh mais non, on m'a arnaqué! Oh bah c'est terminé, hein. On va le refaire. Hein. Le temps est oh non! Le coup dur du joueur Franco Tile! C'était une arnaque, les gars. On y retourne. On y va! Parce qu'ici c'est l'Amérique! Ici on a des trucks, trucks, trucks! Des véhicules, des 4x4! Parce qu'on s'en bat les couilles des montagnes! Parce qu'on est en Amérique! Fuck yeah! On baisse tous les autres pays! Le centre du monde, c'est l'Amérique! Quand t'es président des States, t'es président du monde! Et je parle pas des véhicules. Ah! America! Parce que rien ne me pose de problème ici! Il défie la gravité sur 4 roues! On baisse le game! C'est l'Amérique! Sucez-nous! Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, putain. Oh, j'adore les Américains, j'adore. Oh, les Américains! Les Américains! C'est terminé! Hop, aucun problème! On dirait des missions dans GTA à l'ancienne. Putain, on va passer par ici. C'est long, hein. C'est long et ça fait peur, hein. Quel talent!
Faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Hein. Ok. Ça se finit quand ? Il approche de Prosperity. Quoi ? Allez. Allez mon pote, c'est terminé normalement, c'est la fin. C'est le bouquet final. C'est l'Amérique. Drapeau américain. Voilà qui promet de futures cascades. America! Allez, ça c'est fait! Bien évidemment, le plongeon dans la folie. Mission Complete, 200 RP. On y est presque au bout de cette barre. On y est presque! Allez, on continue de faire des petites quêtes secondaires. On y va. Par où on peut aller? Il y en a une juste ici, impeccable. Aucun souci. Allez, on est parti! Oh, c'est beau ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on aime, ça, le wingsuit comme ça, là. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est le sport, ça. Et ouais, mon pote. Elle est là, la quête. C'est incroyable. Tellement stylé, ce que j'ai fait. Ma vie est stylée. Ma vie est américaine. Allez. Oh, yes. Yes. Ça m'a rapporté 200 points, ça. America. Ok. Allez, on y va. On y va. Quoi? Ok, cette fois-ci, c'est en jet mes couilles. C'est en quoi d'ailleurs? C'est en avion. Amérique! Non, tu déconnes. Oh, j'ai plus l'habitude de ces conneries. Ok, faut que je passe là-dessous. Ok, je suis déjà endommagé sévère. Hein. On tente un truc! Oh là là! Mister B-Boy! Aïe! Une manœuvre à couper le souffle. C'est vrai que c'était impressionnant. Même moi, je m'impressionne. Ok, faut vraiment surfer sur l'eau. Si j'arrive du premier coup cette mission, vu le départ qu'on a eu, c'est phénoménal, les gars. Allez. 17 secondes, c'est pas beaucoup. Là, je sens que c'est les derniers RP qu'il nous faut pour affronter Face. Ok, c'est pas mal. Ok, oh là là, j'ai peur. C'est trop serré, j'y arriverai jamais. Une véritable démonstration. Non, dommage. Bah ouais, mais c'est le jet ski qui m'a foutu dans la merde dès le début. Allez, on y retourne. Mais on le gère bien. Allez, ça dégage. On le gère de ouf. Une véritable démonstration. Ok, ça c'est le premier gros checkpoint avec le feu. Oh, c'est compliqué. Hein. Quoi? M'arrêtez, mais c'est gratuit! Oh là là. Tellement gratuit. Entre l'eau et le pont. Une manœuvre à couper le souffle. Ok. J'ai peur, hein. Tu te foires une fois, t'es en avion, c'est la mort. Hein. Il nous offre un okay. Superbe spectacle. Oh non. Oh, oh j'ai réussi. Oh, on a géré de ouf en vrai. On a géré de ouf, putain. Non. J'espère que vous êtes en forme. Parce que c'est ici, bordel. Il passe juste à côté de la vieille Dragon. C'est ici, bordel. Mais je me fais arracher gratuitement, je vais exploser. C'est vraiment pas passé. Oh là 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 là, je suis pas bien. Dites-moi que c'est fini là. Yes, c'est fini, putain. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini! Yes! C'est bon, les gars! C'est bon, Face, j'arrive! Pas évident celui-là, hein. Vraiment pas évident. Hein. Allez, dites-moi que j'ai assez de points. Dites-moi que je peux enfin l'affronter! Sinon, ça joue vraiment un peu. Et ça y est!
Faceit vous appelle depuis la grâce. Il est temps de l'éliminer. Ça y est, mon pote. Face, t'es à moi, ma grande. Face, t'es à moi. J'ai dit que l'épisode 20, on s'occupait de toi. Je te l'ai dit. Je l'ai dit à tout le monde, je l'ai promis. Quitte à ce que la vidéo dure 3 heures s'il faut. Je comprends pas bien. Tu pensais pouvoir continuer à agir comme tu veux sans la moindre conséquence? J'ai été raisonnable, j'ai été juste. Tu es tellement égoïste! Tu as obligé quelqu'un à partir contre sa volonté. Mais tout ça pour jouer à quoi? Au héros. Tu sais ce qu'est l'hubris? C'est l'arrogance face aux dieux. Pour les Grecs, il s'agissait d'une fierté dangereuse qui alimentait Némésis, déesse de la juste colère. Si je gagne cette main, tu devras porter ton insigne. Qu'est-ce que t'en dis? Quinte flash. Si la seule langue que tu parles est celle de la violence, sache que je peux la parler. Et avec leur sang sur tes mains. Et avec leur sang sur tes mains. On verra quel courage tu as. On verra quel courage tu as. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée d'en arriver là. Je suis désolée d'en arriver là. J'aurais aimé pouvoir faire autrement. J'aurais aimé pouvoir faire autrement. Mais toi, tu as fait ton choix. Mais toi, tu as fait ton choix. Qui a ouvert les portes? La putain de porte. Merde! Ils sont là! Je t'ai dit que je voulais pas partir. Ok, préparez-vous. C'est maintenant qu'on se débarrasse de Face et je pense que ça va être en deux parties.